Bonjour, vous êtes les grands vainqueurs nets de la journée. Félicitations. Merci. Comment s'est passée la journée avec le vent? C'était pas trop compliqué? Un peu mal à la tête avec le vent, mais sinon ça va. Il a fallu rester patient, mais du coup on a plutôt réussi à pas trop mal s'en sortir dans la tempête. Très bien. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'organisation de la journée? Oh, plutôt très bien. Très bien, terrain bien préparé, ouais. Green assez roulant, bien entretenu, et drapeau très coquin, mais pas évident. C'était marrant, évident. C'était intéressant. Est-ce que vous avez un entraînement type quand il y a une compétition comme ça, ensemble ou séparément? Non, ensemble non. Ensemble non, pas encore, mais on va y penser justement, un entraînement type pour la prochaine fois, prendre le brut à la place du net. C'est ça, ce serait pas mal. Ça. On va y travailler. Très bien, et eh ben merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Bonjour, vous êtes les grands vainqueurs bruts de la journée. Tout à fait. Félicitations. Merci. Quel a été votre plus beau coup sur la journée? Mon plus beau coup, alors je vais parler de celui de Daniel, qui était le birdie du trou numéro 12, avec un superbe coup d'hybride au drapeau à 1m50, petit putt dans la boîte, birdie, qui nous permet de gagner aujourd'hui. Félicitations. Voilà, merci. Et de quelle manière abordez-vous une nouvelle compétition? Est-ce que vous avez un entraînement, une routine? Pas du tout. Un bon petit déjeuner, une bonne nuit. Et voilà. Voilà, oui, une nuit coquine. Très bien, on va tout savoir. Voilà. Et ben merci beaucoup. Merci.